Ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Oui, quand ta bonté vaut mieux que la vie. Que tes louanges, quand ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Oh, je lèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Lève célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je veux juste te dire merci, oh, merci, oh, Jésus. Alléluia. Je veux juste dire. Oh, juste dire. Merci, oh, Jésus. Je veux juste dire. Je veux juste dire. Merci, oh. Merci, oh Jésus. Oh, pour tes bienfaits dans ma vie. Je veux juste dire. Merci, oh Jésus. Alléluia. Je veux juste dire. Merci, oh. Merci, oh Jésus. Oh, alléluia. Je veux juste dire. Merci, oh Jésus. Oh, pour ta bénédiction. Je veux juste dire. Alléluia. Merci, oh. Oh Jésus, alléluia. Oui, juste dis merci, oh Jésus, alléluia. Jésus, 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 oh 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 Jésus, alléluia, alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur pour ce privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup qui sont à la morgue actuellement. Il y a beaucoup qui sont à l'hôpital, les zones. Il y a beaucoup dans les CHU, il y a beaucoup dans les ambulances et il y a beaucoup qui sont morts. Dis merci au Seigneur ce soir. Dis-lui merci.
parce que c'est un privilège. Dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Dieu de grâce et de miséricorde, je te dis merci. Ce n'est pas que je suis parfait plus que les autres. Ce n'est pas que j'ai payé quelque chose pour en avoir cette vie. Mais ce que tu as payé à la croix, c'est ça qui est la grâce qui me visite à chaque instant. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh merci mon roi, merci mon créateur. Dieu tout-puissant, merci. Oh Seigneur, merci pour cette grâce infinie. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y en a beaucoup qui ont commencé. Et ils ont marché jusqu'à un point donné. C'est comme une guerre. En allant à la bataille, beaucoup sont morts. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont reculés. Mais toi, le Seigneur t'a permis d'avoir encore son nom dans la bouche. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci. Parce que c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres ne peuvent plus appeler le nom de Jésus. Parce que le péché a pris le nom de Jésus de leur bouche. Parce que beaucoup sont perdus dans la marche. Ils ont été frustrés, ils ont été tabassés par la colère, par les choses de ce monde. Oui, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Mon âme te lève et te loue et te dit merci. Père, merci parce que tu as pris ton amour envers moi. Oh, m'a donné la vie. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour cette grâce que tu m'accordes à chaque instant. Dans chaque journée, dans chaque situation, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur Jésus. Et l'ennemi n'a pas pu voler ton nom de notre bouche, Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Tu vas encore dire merci au Seigneur. Si nous devons faire quelque chose, c'est de remercier le Seigneur. C'est de rendre grâce au Seigneur. Tu vas dire merci, Seigneur, parce que tu peux marcher encore sur tes pieds. Je ne pense pas que si tu es sur le fauteuil roulant, maintenant tu serais ici. Maintenant, dis merci au Seigneur pour cela. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Priez, dis-lui merci. Merci mon Dieu. Merci mon Sauveur. Pour mes pieds qui marchent encore. Pour les membres de mon corps qui peuvent fonctionner encore. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais de moi, Seigneur. Une nouvelle créature, Seigneur. Merci pour cette grâce infinie que tu fais dans ma vie. Merci pour ce privilège que tu m'as accordé. Oh, d'avoir mes membres fonctionnant normalement, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci. Merci parce que je ne suis pas à l'hôpital. Je ne prends pas de seringue pour la vie. Je ne prends pas quelque chose dans mon corps pour retrouver la vie. Je n'ai pas dans mes oreilles des écouteurs pour écouter le son de mes frères et de mes soeurs. Mais j'ai l'oreille qui marche nettement, Seigneur. Je te dis merci pour cela. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. C'est au nom de Jésus, nous avons dit merci au Seigneur. Il est bon que le Seigneur fait des merveilles. Il est bon que le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. Le Seigneur nous a donné la santé, tout ce que nous voulons. Mais non, nous étant les hommes, nous n'avons pas été toujours fidèles à Dieu. C'est pour cela que tu vas demander du plus profond de ton cœur, Seigneur, pardonne-moi. Ne me laisse pas, Seigneur. Aie pitié de moi. Dans tout ton amour, Seigneur Jésus, et pardonne toutes mes fautes et mes transgressions. Tout péché qui est en moi qui va me condamner sur ce terrain, tout péché qui va me condamner après ce terrain, qu'il soit, ô Seigneur Jésus, pardonné et effacé par le sang de l'agneau. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, Seigneur, voici, je suis venu dans ta présence, Seigneur, non en signe de me justifier devant toi, non en signe de demander, Seigneur, oh Seigneur, fais-moi ainsi, mais en signe de reconnaissance de mes fautes et de mes transgressions, Seigneur. Père, j'ai été devant toi, oh Seigneur, dans des souillures, dans des mauvaises choses, Seigneur. Oh, ma pensée a pensé mal, Seigneur. J'ai pensé mal de mon frère, j'ai pensé mal de ma soeur, Seigneur. Père, aie pitié de moi, Seigneur, et pardonne toutes mes fautes, Seigneur. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, Seigneur. Oh Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Seigneur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu. Fais cela pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Ô Père éternel, mon Dieu, Seigneur, lave-nous, Seigneur, à l'instant par ton sang, Seigneur. Père, purifie mon âme, Seigneur. Demande au Seigneur de te purifier, de purifier ton âme, de purifier ton esprit, de te sanctifier de la lourdeur de tout ce qui ne confesse pas ton nom, le nom de Jésus. Demande au Seigneur Jésus de te laver, de te laver, de te laver, Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Oh Seigneur, lave-moi de mon péché. Oh Seigneur, lave-moi, Seigneur. Afin que ce que je puisse dire
puisses amener les âmes vers toi, Seigneur. Afin que ce que je puisse dire, oh, puisse sortir de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés. Ce soir, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute armée de ténèbres qui a déjà été envoyée en ce lieu avant que je ne sois ici. La Bible dit que, à Moïse, lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer, la Bible dit que l'armée que tu vois derrière toi, tu ne les verras plus jamais. Ainsi, tu vas prier, tu vas déclarer que ce lieu soit balayé, tous les lieux, tous les esprits méchants qui ont été déjà pris dans ce lieu pour commettre des choses impures, des choses infâmes, dans ce lieu, soit balayé au nom de Jésus. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, mon créateur, ta parole déclare que là où tu nous donnes, Seigneur, là où nous mettons pied, Seigneur, là où nos pieds foulent, Seigneur, tu nous les donnes en possession. En cette réclamation, nous reconnaissons nos autorités sur ce lieu, Seigneur, et nous déclarons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qu'il soit banni de ce lieu et qu'il soit chassé loin de ce lieu. Je prie, Seigneur, que tout esprit de danger, tout esprit du monde des ténèbres, tout esprit du monde des eaux, tout esprit du monde planétaire qui est déjà mis en ce lieu pour combattre tout ce que nous allons faire en ce lieu, soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit, soit foudroyé par le tonnerre du Saint-Esprit, soit foudroyé, Seigneur, Père éternel, notre Dieu. Je prie que ta main descende en ce lieu pour frapper d'aveuglement et de subiter tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit de fête ténébreux, tout esprit invisible ou visible qui va se lever, Seigneur, qu'il soit frappé de la colère de Dieu et qu'il soit chassé loin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, agite ta main sur moi. Que ta main soit sur chacun de nous. Enfin, que toute armée de ténèbres qui va élever la voix contre nous ou bien vouloir faire quelque chose contre nous, qu'il soit paralysé. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, comme ta parole déclare, tu as marqué de sceaux tes enfants, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, Seigneur. Voici, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Je prie, mon Dieu, de nous marquer de ton sceau, afin que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur, et que tu nous privilèges dans toutes nos marches, Seigneur Jésus, afin que toute main de ténèbres qui va vouloir aller à l'encontre de ta parole en nous, Seigneur, qui soit vouée à l'échec, Seigneur, qui soit frappée de surdité et d'aveuglement, Seigneur, qui soit frappée de paralysie au nom de Jésus. Seigneur, fais cela pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, fais cela pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore prier, tu vas demander, Seigneur. Nous sommes venus ici pour un but, Seigneur. Le but doit être atteint, Seigneur. C'est notre cause, Seigneur Jésus. Tu pries et tu demandes que le Seigneur Jésus libère les âmes qui sont en ce lieu, qui sont loin, qui vont venir encore. Que le Seigneur Jésus les libère des chaînes de l'ignorance, les chaînes de l'ignorance qui, lorsque nous allons les parler, qu'ils puissent avoir cette parole dans leur cœur et que cela devienne une semence de vie pour ranimer leur âme. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur, ce soir ta parole déclare que si vous avez la foi comme un grain de sénève, vous direz aux montagnes de se déplacer, ils vont se déplacer, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus et je crois, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui fais l'impossible, qui agit dans l'invisibilité et qui agit dans la visibilité, Seigneur. Tu es le Dieu de la récréation, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la régénération, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la puissance, Seigneur Jésus. Je prie en ce lieu maintenant que tout esprit, toute âme, tout esprit qui est déjà lié dans des chaînes, ô Seigneur Jésus, ô qui est déjà lié dans des chaînes d'aveuglement, d'impudicité, qui soit libéré au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que ta main puissante libère tes enfants, Seigneur Jésus. Ceux qui sont de ta patrie, Seigneur, c'est toi qui les connais, Seigneur. Ô Père, touche-les, Seigneur, ce soir, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Père, agis au-delà de nos attendements, Seigneur Jésus. Ô, merci, parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu as dit merci au Seigneur parce qu'il le fait. Tout ce que nous n'avons pas pu demander, Seigneur, le Seigneur le connaît. Il dit, avant que vous ne le disiez, je l'ai déjà su et je l'ai déjà fait. Dis-lui merci parce qu'il a commencé quelque chose et il va achever. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Créateur, pour ce que tu as déjà touché des âmes, pour ce que tu es en train de libérer les âmes, pour ce que tu es en train de faire des choses merveilleuses, Seigneur. Merci parce que tu as privilégié des âmes pour ce soir d'être libérées, Seigneur. Mon Dieu, je crois en toi et je sais que tu ne fais rien au hasard, Seigneur Jésus. Tu fais toutes choses à merveille, Seigneur. Père, agis en ce lieu pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, fais cela
Père, merci parce que tu le fais au-delà de nos attendements. Seigneur, merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon créateur. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Jésus. 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 Chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons, chantons. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Hey, hey, béni le roi, le chantant, le bénézer, de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Hey, béni le roi, le bénézer, les grâce infinie de Dieu. De Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi de Ebenezer. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi de Ebenezer. J'entends Ebenezer. Infini de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi à la mention de son nom. Tous genoux fléchis à la mention de son nom. Tous genoux à la mention de son nom. La mention de son nom. Genoux fléchis à la mention de son nom. Tout le monde en paix. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi des rois. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi des rois. À la mention de son nom. À la mention de son nom. Tous genoux fléchis, oh, à la mention de son nom, oh, à la mention de son nom, oh, à la mention de Jésus. Tous genoux fléchis, oh, à la mention de son nom, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es, tu es, tu es. Tu es roi des rois. Oh, à la mention de son nom. À la mention de son nom. Je vous prie. À la mention de son nom. À la mention de son nom. À la mention de Jésus. Que l'on confesse. Enfin, je vous prie. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu
n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es mon roi. Tu n'as pas changé, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Mon roi de gloire, tu es. Mon tout puissant, tu es. Le point de paix, tu es. Jésus-Christ, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es Jésus. Tu n'as pas changé, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh mon roi, tu es. Oh tout puissant, tu es. Le point de paix, tu es. Le point de joie, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Et tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Oh Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Le roi de gloire, tu es. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, pour toi. Toi. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. L'ancien est ressuscité. Tous sont ressuscités. Jésus est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, vis-toi, vis-toi. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, il n'a plus de pouvoir. Oh, vis-toi. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Hey, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu qui est dans les cieux. Ne peut faire, il l'a fait pour et ce que ma famille ne peut faire, il l'a fait pour et ce que mes parents ne peuvent faire, il l'a fait pour et ce que ma famille ne peut faire, il l'a fait pour et ce que mes amis ne peuvent faire, il l'a fait pour moi. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie. Ce que personne ne peut faire, il l'a fait pour moi. Oh, ce que mes parents ne peuvent faire, il l'a fait pour moi. Oh, ce que mes amis ne peuvent faire, il l'a fait pour moi.
Oh, ce que mes aïeux ne peuvent faire. Il a fait pour moi. Ce que mes parents ne peuvent faire. Il a fait pour moi. Mayo, mayo, mayo. 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 Mayo, Jésus, mayo. Mayo, mayo, mayo. Mayo, Jésus, mayo. Mayo, mayo, mayo. Mayo, mayo, mayo. Yes, you pay my solo. Mayo, mayo, mayo. 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 Yes, you pay my solo. Oh, bon, ben, gamin, la signe, yes, soupe, ma ya solo. Oh, bon, ben, gamin, la signe, yes, soupe, ma ya solo. Oh, bon, ben, chaman, la signe, yes, soupe, ma ya solo. Ma ya Jésus-Christ, ma ya roi des rois, ma ya tout puissant. Maya Saint des Jours, Maya le Rocher, Maya Pierre Angulaire, Maya Sainteté, Maya celui qui est, Maya celui qui vient, Maya tout puissant, Maya l'architecte, Maya bâtisseur, Maya Sainteté, Maya Jésus-Christ, Maya Jésus-Christ, Maya Jésus-Christ, Maya Maya Maya, Maya Maya Maya. Maya, 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 yes, you pay my soul. Yes, you pay my soul. Hey, come and sing it, yes, you pay my soul. Yes, you pay my soul. Hey, Maya, tout puissant, Maya, roi des rois, Maya, Jésus Christ, Maya, fin des jours, Maya, celui qui est. Maya celui qui était, Maya le rocher, Maya Pierre Angulaire, Maya le fondant, Maya le fondateur, Maya le créateur, Maya l'incréé, Maya le roi des rois, Maya souverain, Maya la cité, Maya le grand Dieu, Maya le tout-puissant, Maya celui qui est, Maya celui qui vient, Maya Jésus-Christ. Maya Jésus-Christ, Maya Jésus-Christ, Maya Jésus-Christ. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et toujours dans la joie. La joie, yeah. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. La joie, mmh. Mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et toujours dans la joie. La joie, hey. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. La joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et toujours dans la joie. La joie, hey. Mon cœur est dans la joie. Dans la joie. La joie, hey. Jésus mon roi est tout pour moi et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mais qu'est-ce que Jésus vient d'apprendre. Oh, mais qu'est-ce que Jésus vient d'apprendre. Mais Baba, t'as les voix, mais on s'en vient d'éduire. Jésus, mais on s'en vient d'éduire. Jésus, mais là, là, et bien. Et Jésus, mais là, là, mais. Oh, Yesu belon la mai. Oh, Yesu belon la mai. Oh, Yesu belon la mai. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, il est le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Alléluia, royaume est sur son épaule.
Alléluia, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est le prince de paix. Il est roi. Oh, il est roi. Oh, oh, il est roi. Est-ce que la joie est là? Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un a la joie en lui? Acclamons le Seigneur! Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Je serai tout pardonnant. Si tu es vivant, il faut s'appeler le Seigneur Jésus. Après la mort, je serai tout pardonnant. Alléluia, si tu es vivant, Jésus, où est ton âme? Donc, nous, qui est ton âme? Jésus, mon frère.
Jésus, ma soeur. Viens à Jésus tel que tu es. Quel que soit le nom de tes péchés, quel que soit le nom de tes iniquités, quel que soit le nom de tes abominations, l'Éternel est ton Dieu. Ne tiens pas compte de tant que tu as passé dans la fornication. Dieu ne tiens pas compte de tant que tu as passé dans la justice. Dieu ne tiens pas compte de tant que tu as passé à tromper ta femme. Dieu ne tiens pas compte de tant que tu as passé à tromper ton mari. Mais Jésus-Christ appelle à la repentance. Car il ne veut pas la mort d'un pécheur. Jésus-Christ veut que tu te repentes pour la vie éternelle. Écoute la parole de l'Éternel. Jeune homme, jeune femme, vis ta vie comme tu veux. Le nombre de femmes que tu veux, le nombre de copains que tu veux, le nombre de copines que tu veux, tu peux les avoir. Mais sache que pour toute chose, Dieu amènera pour te voir un jugement. Je me présente devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Bien-aimé, toi qui entends ma voix ce soir, toi qui entends ma voix ce soir, je suis t'appelé à mettre de l'ordre dans ta vie. Car qui que tu sois, quelle que soit ta position, quel que soit ton sexe, quel que soit ta place, quel que soit tes attributs, il viendra un jour où tu perdras ta vie. Bien-aimé, où tu passeras ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Jésus t'appelle à revoir ta vie. Jésus t'appelle à revoir ta vie. Jésus t'appelle à revoir ta vie. Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui entends la voix de tes frères, toi qui entends la voix de tes sœurs, Jésus-Christ te parle ce soir, et Jésus t'appelle à la repentance. Qui que tu sois, 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 c'est pour toi que Jésus te donne la voix. Et Jésus t'appelle à quitter l'impudicité, Jésus t'appelle à quitter la fornication, dans l'impudicité conduit en enfer. La fornication conduit à nos pères, mais l'enfer n'a pas été payé pour toi. Jésus t'appelle à revoir ta vie, car Jésus t'a destiné pour aller au ciel. Alors si tu marches dans la fornication, donc tu vis la vie de l'adultère, tu vis la vie de l'adultère, mon frère et ma soeur, tu as le passage avec les démons en enfer. C'est pourquoi une fois que tu es encore vivant, Jésus t'appelle à la repentance. 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 Toi qui as des femmes à la maison, mais qui continues de sortir avec d'autres femmes, Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui as autre mari à la maison, mais qui continues de sortir avec un autre mari dehors, Jésus t'appelle à la repentance. Viens mon frère tel que tu es. Viens ma soeur tel que tu es. Jésus va te pardonner. Quel que soit tes péchés, quel que soit tes iniquités, Jésus ne te condamne pas. Jésus est venu, non pour te juger, non pour te condamner, mais pour que tu aies la vie éternelle. Alors viens ma soeur. 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 Alléluia, 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 alléluia. Écoute, salut, les voix de Dieu. Nous t'entendons, nous t'entendons dans Jésus-Christ, s'il te plaît. Écoute, salut, tous les pâtiens. Nous t'entendons, mais voix de Dieu, il est fort, il t'entend, s'il te plaît. Écoute, salut, encore. Nous t'entendons, il est fort, il Badia Christito, ok, ouais. C'est qui de qui la paix de Dieu? Mais encore obéi. Non, il faut être obéi. C'est une grâce. Tu as mis en déveillé. C'est
ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ah, et donc, il y a dans ma main des pompes. Parce que tu la terre est vivante. Non, un poteau, ben non, il n'y a pas dit où tout. Ça veut dire que le Seigneur a un plan pour ta vie. Et donc, il y a dans ma main, dans ta donne, il y a où les deux donc, ben ça, toi, dit. Et tu as un plan pour ta vie. Il y a où les deux là. Tu es pour écouter ça. Ton retour. Et nous t'en donnons ton colis là, toi. Quand Dieu revient de tout. Non, Dieu s'en a l'air qu'on va s'en dire. Quand Dieu dit que je m'en vais. Dieu s'en donne, Dieu. Je vais aller préparer un plat pour toi et moi. Mais Dieu, oui, alors, t'es là qu'on n'y est pas, y est pas. Attends que le dernier jour. Non, sans toi, t'en t'en fais. On doit parler de Dieu. Non, mais nous t'en y mais qui t'en fait, oui, mais l'homme est peut-être. Je vais te demander. Où t'as carreau de papier? Pourquoi tu cours? Et t'as où t'as ton Wesuka? Pourquoi tu es en train de courir? Et t'as ton Wesuka? Pourquoi tu dis tu la terre? Et t'as où t'as ton Pato Panoï? Pourquoi tu es encore sur la terre vivante? Et t'as où t'as ton Pato Panoï? Parce que tu ne tiens pas. Emmanuel, où est-ce que Alléluia. Emmanuel. Shalom, shalom. Alléluia. Le monde en fête, le 14 février, la fête de l'impunité. Mais le Seigneur nous a inspiré de sortir ce jour pour aller les alerter que cette fête ne vient pas de Dieu. Que cette fête est inspirée par le diable lui-même. Alléluia. Cette fête et son objectif, c'est de comment faire pour égarer, pour amener beaucoup de personnes dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous inspire de sortir pour aller à l'aide des enfants. Alléluia. Ces élus qui vont entendre cette parole et grâce à cette parole aujourd'hui, ils vont se repentir. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, nous sommes à Fidulotère. Alléluia. Pour tous ceux qui sont bénis, connaissent cet endroit. C'est un endroit. C'est au bord de la mer, la plage, non, alléluia. Là où beaucoup de choses impudiques se font, donc c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. Pourquoi alerter le monde entier? Pourquoi alerter la jeunesse de pur? Cette fête impudique. Alléluia, voilà Jésus. Jésus-Christ, oui, moi, mon coton. Jésus-Christ, oui, moi, mon l'amour que tu peux donner à ta femme. Moi, il vient d'en avoir, c'est toi. Je ne dépasse ta femme pour Jésus. Ah, mais c'est dans où, quand moi, il est sous Christ, c'est toi. Pour Jésus, quoi? Non, 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 oui. L'amour sur la tête est égalité. Ah, mais il voit, il m'a dit ton fils, c'est toi, c'est toi. Je ne dépasse pas aujourd'hui, quoi, maman. Lui, il a tombé, il m'a dit, moi, il doit être. Égalité. Au fond, ouais. Jésus t'a dit demande à l'ordre. Jésus veut l'amour de l'amour véritable. Ni un Dieu envoyé tonton là. Y'a checké dans ta vie. Bon, il y a sous ton présent toi même. L'amour que tu veux aller donner à quelqu'un de toi. Hein, moi, il y a un Dieu, il s'en a mené ton regard. Jésus t'a déjà donné tes enfants. Jésus connaît le moyen. Et le véritable amour. Oui, t'es là. Il t'appelle à la répandre. Et toi, il va te dit de revoir ta vie. Et toi, il te dit que ça te répond. Le même rôle ta vie. Il te tombe de que ça te répond. Non, ça ne peut pas déjà. Il va abandonner tes enfants. Et ma toi, il y a des toi, les gars. Un jour, bien ça. Et ça ne peut déjà. Il va laisser ta femme. Et ma toi, c'est toi, donc. Un jour, bien ça. Et ça ne peut déjà. Il va laisser ton copine. Et ma toi, copine, toi, mais là, donc. Laisse-moi, Jésus. T'as déjà soupris, là. Et qu'un jour, ferait. Donc, où est-il, ma femme, encore? Il a donné un fils à pourquoi. Et non, vive, mais bien, oui. L'amour. Ah, il m'a dit Jésus-Christ. L'amour qui ne finit
jamais. Mon enfant, l'amour qui ne te va pas. Moi, il y a mon enfant. Aujourd'hui, toi, petit, les gens vont les vendre l'amour. Mais dans la neige, ça, oui, il est ton. Ils t'ont pris à vendre les camps. Il est ton, mais si ça, maintenant, dans ça, ça, il est ton. Et non, non, ouais, beaucoup de le poids, tu es. L'amour, la va te conduire en bas. Mais oui, beaucoup de le pas de l'air, il y a un sommet. Je te dis, je suis un projet. Où te dis, donne moi de mon bas, si tu te mets dans le jouet. Oui, oui, quand on a le bas, ça te met. Yeah.
Chrétien, vous êtes retombé, vous êtes retourné dans le monde. J'ai compris d'être chrétien, mais c'est comme si je suis en train d'abuser de la grâce. Je comprends. Mais déjà, le motif était c'est que malgré tout ça, le Seigneur ne cesse. Malgré tout ça, j'ai envie de changer. Je veux changer. Je suis parent, et quand je suis parent,
Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ses bienfaits, pour sa grâce, son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février et pendant que plusieurs sont venus ici à la plage célébrer la fête de l'amour, nous sommes venus prêcher Christ, nous sommes venus présenter Christ. Voilà, parce que de nos jours, plusieurs en réalité ne pense plus réellement à Christ. Plusieurs oublient en réalité qu'il y a un Dieu qui s'est donné en sacrifice pour eux. Voilà. Donc, ils oublient cela au profit des vanités du monde. Ils oublient cela au profit des plaisirs du monde. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus ici pour pouvoir appeler toutes ces personnes-là à se souvenir de ce Dieu-là qui a œuvré, qui a accompli l'œuvre de la croix dans le but de les affranchir. Alléluia. Donc, nous sommes là à la plage de Fidjoros et nous sommes venus pour prêcher Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs
qui, par la grâce du Seigneur, reçoivent l'évangile et sont touchés par l'évangile. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour leur vie. Comme vous pouvez le voir, nous sommes un peu dispersés. Voilà, nous sommes un peu dispersés et nous sommes en train de prêcher Christ. Christ crucifié. Vraiment, nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa grâce. Donc, nous continuons toujours la mission qui est celle de prêcher. Le petit a fait beaucoup de la part de la vie. Le petit a fait
demande à toi. Il n'a pas relève pas flipper les boulets à outre présentement. Pour tout le péché de l'impudicité. Tra la langue, il n'a pas à yodi de ton. Je râle le péché là. Mais t'as ton temps, on a. Je péché de l'impudicité. Il n'a pas à yodi de toi, ne. Je dis n'est pas. Jésus m'a indiqué. Aide. Et ouais, non, non, mais vivons, oui, bien.
connaît pas le jour de ta mort. Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte de ton cœur. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus veut rentrer dans ta vie. Jésus t'aime. Il est près de toi. Jésus te tend la main. Accepte Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Comme ton Seigneur sauveur personnel. Ton âme sera sauvée. Tu auras la vie éternelle. Jésus-Christ t'aime. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Demain ne nous appartient pas, bien-aimé. Demain n'est ni pour toi ni pour moi. Nous avons l'instant T pour nous repentir. Pour revenir à Jésus-Christ. Il nous aime. Jésus-Christ aime. D'un amour profond. Son amour est tellement grand. Son amour ne peut être mesuré. Son amour est tellement profond. Cela ne peut être sondé. Jésus-Christ t'appelle. Jésus t'aime. Viens à lui. Parle-lui ta vie. Et ton âme sera sauvée. Demain serait trop tard. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que nous avons. Bien aimé, plusieurs sont morts. Mais ce sont beaucoup. Tu as appris tout dernièrement. Le séisme. Au niveau de la Syrie, ces gens y tombaient paisiblement. Ils ne s'imaginaient pas. Mais subitement, ils ont été surpris par la mort. Beaucoup ont été accueillis dans l'enfer. Bien aimé, demain n'est pas pour nous. C'est aujourd'hui que nous avons. Nous ne savons pas ce qui peut se passer. Sept de même, le Seigneur pouvait dire, sept de même, ton âme te sera redemandée. Bien aimé, nous avons maintenant pour nous repentir. Viens à Jésus, accepte Jésus-Christ, c'est l'unique sauveur du monde, c'est lui qui s'est sacrifié, c'est lui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Jésus t'appelle. Ne tarde pas. Ne mets pas ton salut à demain. C'est vrai, tu connais Dieu. Mais sache qu'il t'aime. Il veut que tu le connaisses plus. Le connaître plus, c'est lui donner ta vie. C'est d'accepter celui-là qui a pris ta place dans la mort. Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'unique sauveur, l'unique qui a été élevé sur cette croix. Il est mort de cette mort, de cette mort de honte. La parole de Dieu a déclaré que ceux qui passaient, il hochait la tête, il se moquait de lui. Mais c'était à cause de toi. C'était à cause de moi qu'il a fait tout cela. Il a connu cette mort. Il a connu cette honte. Bien aimé, viens à Jésus. Jésus te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Viens à lui. Ne tarde pas. Satan, il m'a loin, j'ai tout dit, j'ai va.
Mose nya o nyoro mede wa so de awemo ma so fi wa ipomlo ma so fi bo wa ipomlo dawe de ti ya no we wa so de il a fait une œuvre a so te wa quelle œuvre o etan we ti to fi le po il a créé toutes choses o bai me gbeto le il a fait les hommes o bai mi di de ti pepe a son image o na mi di joko gigo po sa donné la paix la gloire amo jere nu a un moment comme fi gigo lo po nous avons perdu cette gloire o me gbe me le po et tout homme Milas me coucou. Nous sommes morts. Pas permis de me venir dehors. Et nous disons dans notre langue. Si me décou. Si quelqu'un meurt. Milas doit tirer coup. Nous disons il y a un décès. Milas doit tirer coup. Nous avons qu'il y a un décès. Et un tir. Nous pouvons voir un cadavre. Pour Milas doit tirer beaucoup. Nous avons cadavre. Le cadavre est mort. Et bah il doit que. Ça veut dire. Mais quand le problème de Christ il est. L'homme sans Christ. Il me pose une coucou. Ils sont des cadavres. Quoi dire tes frères? Et tel tu es. Il y a ma doc Christ il te fait. Si tu n'as pas Christ dans ta vie. Tiens. Pardon, ma confie à Ibro. Ne passe pas sans le recevoir. Accepte Jésus, ça ne prend pas de temps. Accepte Jésus dans ta vie. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu l'acceptes dans ta vie ce soir, tu viendras la vie. Tu auras la vie. Tu auras la force de la vie. Tu auras le soulagement. Tu auras la victoire. Ne ferme pas ton oreille. Bien. Ouvre-lui ton cœur. Il est à la porte. Il frappe la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Si tu ouvres la porte ce soir, ta vie changera. Alléluia. 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 Jésus-Christ est bon. Amen. Jésus-Christ est bon. Amen. Il est merveilleux. Amen. Il est bon. Amen. Il est bon. Jésus-Christ. Yes, Jésus est bon. Yes, il est merveilleux. Yes, il est tellement doux. Viens à Jésus. Oh, quelle grâce. Quelle grâce d'accepter Jésus. Quelle grâce de recevoir Jésus. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, mon frère. Viens à Jésus-Christ. Je dis, viens à Jésus-Christ. Je dis, approche-toi à Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Je dis, la bonne chose, c'est en Jésus. En Jésus se trouve le bon chemin.
Viens à Jésus. Il est en train de tendre sa main de grâce. Ouais. La vie, la bonne vie, c'est en Jésus. Le salut. Le salut, c'est en Jésus. Le salut est en Jésus. Ma soeur vient en Jésus. Sinon, l'heure va passer. Ma soeur, regarde comment tu t'habilles. La venue de Jésus est proche. La venue de Jésus est proche. Toi qui portes des habits dont les aisselles sont ouvertes. Les cuisses sont dehors. Est-ce que tu sais que tu es une bonne chose? La Bible dit que les 10 vierges, ils étaient 10 vierges et 5 d'entre elles étaient folles. Et d'autres sont 5 et ils sont habiles. Viens, ma soeur, viens rester au milieu des 5 sages. Toi qui écoutes ces paroles ce soir, apprête-toi. Apprête-toi. Le Seigneur est sur la porte de ton cœur. Ouvre-lui le cœur afin qu'il puisse entrer en toi. Mon frère, ouvre la porte de ton cœur afin que Jésus puisse entrer dans ta vie. La bonne vie est en Jésus. Jésus t'aime beaucoup. Il t'aime fortement. Et il s'est laissé frappé et il est mort pour toi. Il est mort à cause de toi. Viens, ma soeur, dans ta vie à Jésus. La bonne vie est en Jésus. La bonne vie est en Jésus. Et toi qui es une femme qui est citée de porter des choses élégantes, très élégantes. La Bible dit qu'aucun menteur n'y entrera au ciel. Et tu t'es prise à mettre des mèches sur la tête. Et jusqu'à ce que ça entre dans la moto, dans les rayons de la moto des autres. Et toi, tu portes des collants jusqu'à ce que tes cuisses sont dehors. Est-ce que ton créateur, lorsqu'il verra cela, il sera content? Ma soeur, toi qui es femme, tu es quelque chose de respectueux. Jésus dit que ce que tu mets, pour ce que tu mets tes cuisses sont dehors, ce n'est pas bon. Quand tu mets tes seins au dehors, tu mets tes cuisses au dehors, ce n'est pas bon. Avant, c'était lorsqu'on donne la dot qu'on voit les cuisses et les seins d'une femme. Maintenant, les garçons ne donnent plus de dot avant de voir les cuisses et les seins d'une femme. Repentez-vous. Jésus revient. Les temps sont finis. Apprête-toi. Lorsque les 5 vierges sages étaient, ils ont écouté, ils se sont prêtés. Ils ont gagné l'intention du mari. Et les autres qui étaient folles, ils étaient en train de parler comme toi. Je dois porter un peu les collants. Je dois rester nu un peu. Et il ne dit rien de vérité là. Mais la porte elle s'est fermée. Ne permets pas que la porte se ferme sur toi. Toi qui écoutes cette parole ce soir. Toi qui écoutes cette parole ce soir. Repends-toi. Repends-toi. Oui, mais sous-nous. Toi, garçon. Tu tresses tes cheveux. Et si on le dit, tu dis je suis un artiste. Si tu viens devant la porte de Dieu au ciel avant de demander que tu es artiste, tu dois retourner. Dieu qui t'a créé.
créé, veut que tu sois comme tu es, enfin, afin que lorsqu'il va revenir, il va t'amener au ciel. Hey, toi, garçon, tu portes des boucles d'oreilles. Et tu portes des pelles. Réponds-toi. Les temps sont finis. Jésus revient. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Après la mort, ce sera trop tard, mon frère. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Après la mort, ce sera trop tard, ma sœur. Tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Après la mort, ce sera trop tard. Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles, oui, viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, quand tu diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu vas couler des larmes pour tout cela. Tu couleras des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles y viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles y viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu couleras des larmes pour tout cela. Tu couleras des larmes. Tu vas pleurer un jour. Pense au péché si tu pourrais ce soir, bien-aimé Jésus revient. Que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu vas couler des larmes pour tout cela. Tu couleras des larmes. Tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, amen. Tu pleurer un jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Car Jésus revient bientôt. Mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Car Jésus revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons dans Jésus. Cette fête que vous fêtez. C'est une fête de la débauche. C'est une fête de la débauche. Ça ne manque pas du Seigneur Jésus-Christ. La Bible a été très claire. Vous qui êtes chrétien, vous n'avez pas part au monde. Ne fêtez pas la fête du monde. N'allez pas en enfer. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Jésus vous tend la main. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Cette fête, c'est pour recueillir ton sang dans le préservatif. Dans le préservatif. Le préservatif, l'aimé. Bien-aimé. C'est une fête de la débauche. C'est une fête de la prostitution. C'est une fête de la prostitution. Tu dois te repentir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois adorer Jésus-Christ. Bien-aimé. Cette fête va te conduire en enfer. Avec cette fête, beaucoup de jeunes filles seront déviagées. Beaucoup de jeunes filles vont faire des avortements. Beaucoup de jeunes filles vont faire des avortements. Beaucoup de jeunes filles vont faire des avortements. Ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête démoniaque. Bien-aimé, il n'y a pas un jour, c'est pas un jour qu'on attend pour démontrer son amour à son partenaire. C'est tous les jours tu dois manifester l'amour à ta femme, à ton mari. C'est tous les jours. Il ne faut pas attendre un seul jour. Bien-aimé, répondez-vous. C'est de la débauche. Les chrétiens n'ont pas peur à cette fête.
Repentance. Réjouis-toi. Pendant que tu es jeune. Livre ton corps à ce que tu veux. Mais faut savoir qu'après ta mort, le jugement t'attend. Le jugement t'attend. L'enfer t'attend. Le paradis t'attend. C'est toi de faire le choix. Le choix est dans ta main. Si jamais tu descends en enfer, si jamais tu descends en enfer, ce serait de ta faute. Jésus Christ a tout fait. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que nous soyons sauvés. Mais tu as choisi d'aller en enfer. Bien-aimé, répentez-vous de la débauche. Il ne faut pas attendre un jour pour dire que c'est la fête de l'amour. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Toi qui te couches avec n'importe qui. Tu te couches avec n'importe qui. Tu n'as pas doté ta femme. Et tu te couches avec elle. Faut savoir que c'est l'enfer qui va t'accueillir. Dieu veut que tu donnes dot à ta femme. Tu dois donner dot à ta femme. On ne t'a pas doté. Et on ne t'a pas doté. Et tu te couches avec les hommes. Et on finit de manger. On finit de te sucer. Et on te jette à la poubelle comme l'orange. Ma femme, donne de valeur à ta vie. Donne de la valeur. Dire à ton mari. Dire à ton ami. Viens voir mes parents. Il faut que les deux familles. Ce couple, c'est l'enfer qui va vous accueillir. Sortez de l'impudicité.
Sortez du concubinage. Sers du concubinage. Je ne veux pas cela pour vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Acceptez Jésus. Marchez selon Jésus. Respectez la parole de Jésus. Pendant que vous respirez, il faut accepter Jésus. Musulman accepte Jésus. Catholique accepte Jésus. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que après tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bien-aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu as deux femmes, tu dois divorcer et accepter la première. Tu dois donner dot à ta femme. Ton mari doit te donner dot. Sinon, c'est l'enfer qui peut t'accueillir. L'enfer est réel. Le paradis est réel. De quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Celui du beaucoup, celui du brebis. Le royaume des cieux n'est pas un marché. Tout le monde peut y aller. Donc c'est par un marché. Tout le monde peut y aller. Certainement fait par religion, je dois y aller. Non, c'est par un marché. Où tout le monde peut y aller. C'est moi qui chante pour le roi des rois. Non, c'est pas un marché. Où tout le monde peut y aller. Mais tu peux aller y aller. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et non ceux qui l'adorent au Dieu de tous. Il est dans l'hypocrisie et la haine. Si ton mari ne te dote pas, c'est l'enfer qui peut t'accueillir après ta mort. Parce que ton mari t'a volé. Et tu es d'accord avec lui. Dire à ton mari, il doit me doter. Les deux familles doivent être d'accord. Dieu aussi sera d'accord. C'est de l'impudicité. C'est du copinage. C'est du concubinage. Concubinage. Alléluia. Si tu es vivant, il faut penser à ton âme. Si tu es vivant, il faut penser à ton âme. Si tu peux manger à locaux, il faut penser à ton âme. Ton âme mange Jésus-Christ. Accepte Jésus. Il ne faut pas compter sur ton argent à la banque. Sur la moto que tu as payé, sur la voiture que tu as payé, ça ne peut pas sauver ton âme. Bien aimé, c'est Jésus qui peut sauver ton âme. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Accepte Jésus Christ. Pense à ton âme. Dire à ton mari de te doter. Parce que au portail du ciel, les voleurs n'ont pas leur place. Si ton mari ne te donne pas la dot, et tu ne dis rien à ton mari, c'est qui t'a volé au port de tes parents. Et les voleurs ne peuvent pas aller au ciel. Bien aimé, les deux familles doivent être en joie.
avant que Dieu ne reconnaisse ce couple. Allez dire à votre mari tu dois payer la dot. C'est Jésus qui sauve Rastamon. C'est Jésus Christ qui sauve. C'est Jésus qui sauve Rastamon. Donne ta vie à Jésus. Pense à ton âme. Les temps sont finis. De quel côté seras-tu? Celui du beaucoup, celui du produit. Tes débauches ne pourront t'amener au ciel. La vie de prostitution que tu mènes ne pourra te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Pense à ton âme. Les temps sont finis. Bientôt tu vas faner. Bientôt tu vas vieillir. Ta beauté que tu traînes par-ci et par-là. Tu es beau, tu es belle. Tu as la force, tu conduis voiture. Un jour, cette force va t'abandonner. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Répondez-vous. Donnez de toi à vos femmes. Si tu n'as pas donné de toi à ta femme, Dieu te reconnaît comme un voleur. Il faut donner de toi à ta femme pour que les deux familles soient contentes. Parce que c'est du concubinage. C'est de l'impudicité. On ne t'a pas doté, tu te couches. Répentance, parce que les temps sont finis. Tu ne peux pas survivre en enfer. Tu ne peux pas supporter l'enfer. Parce que l'enfer, ça dévore. Ça dévore. Satan ne peut pas supporter l'enfer. Mais toi, qui es-tu pour supporter l'enfer? L'enfer est réel. Le paradis est réel. Pense à ton âme. Après ta mort, l'avortement que tu as fait, tout sera dévoilé. Sur un écran géant, tu as été infidèle à ton mari. Tu étais infidèle. Et personne ne t'a vu. Mais après ta mort, tout sera mis à nu. Ta vie de prostitution sera mise à nu. Ce soir, tu cours pour aller coucher avec les jeunes filles. Dans les auberges. Dans les hôtels. Personne ne te voit. Mais un jour, après ta mort, on va te montrer tout sur un écran géant. Tout ce que tu as fait en cachette, on va te montrer ça. Pour aller payer la dot à ta femme. Si on ne t'a pas payé dot, ne faut pas coucher avec un homme. Ne faut pas coucher avec une femme. Donnez votre vie à Jésus. Parce que tout ce que tu aurais fait, tout sera dévoilé. Tout ce que tu aurais fait en cachette sera dévoilé. Il faut avoir peur de ce Dieu-là qui dévoile même les secrets. Rien ne se cache devant Dieu. Le péché que tu caches, ton infidélité sera dévoilé. Ta débauche sera dévoilé. Ton impureté sera dévoilé. Tous tes péchés seront dévoilés. Après ta mort, tout sera mis à nu sur un écran géant. Et tu auras le dégoût de te regarder. Donnez votre vie à Jésus. Donnez dot à vos femmes. C'est de la débauche. C'est la dot. Je ne vous reconnais pas qu'en tant que couple. C'est l'enfer qui va vous accueillir. Dieu ne veut pas te voir en enfer. Il faut que les deux familles s'entendent. On ne t'a pas donné d'autre. Et tu te couches comme tu veux. Tu parles de femme en femme. Bien-aimé, c'est l'enfer. Un jour, on va te montrer tout cela. Tout ce que tu aurais fait, tu peux oublier. Mais
Dieu n'oublie pas. L'enfer n'oublie pas. Satan n'oublie pas. Répondance. Parce que les temps sont finis. Donnez votre vie à Jésus. Marchez selon Jésus. Marchez selon la Bible. On ne peut pas aller en enfer. L'enfer, ça dévore. Ses victimes. Bien aimé, il est l'heure et il est temps que tu penses à ton âme. 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 Il est l'heure. Nous n'avons pas trois messages. Nous n'avons pas beaucoup de messages. Donne ta vie à Jésus. Marche selon Jésus. Dans la sainteté. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Viens ma soeur, pense à Jésus, pense à ton âme, tu bois de la champagne, tu manges comme tu veux, mais ton âme, c'est Jésus qu'elle mange, il faut accepter Jésus, pendant que tu respires, il faut accepter Jésus, tout ce que tu aurais fait en cachette, après ta mort, tout sera dévoilé. Ton infidélité, ta débauche sera dévoilée. Donnez votre vie à Jésus. Allez payer la dot à vos femmes. Allez payer la dot à vos femmes. Parce que ça va vous conduire en enfer. N'endurcis pas ton cœur. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Jésus est la solution. Jésus est notre solution. Jésus est notre solution. Jésus-Christ est ta solution. Jésus peut te sauver. Ne faut pas compter sur ton argent. Si tu mourrais ce soir, ne faut pas compter sur ton argent. Ton argent ne peut pas te conduire au paradis. Ton argent ne peut pas te conduire au paradis. Je te répète, ton argent ne peut rien te faire. C'est Jésus qui veut te sauver. Ma soeur, pense à Jésus. Nous bien t'habiller. Satan te veut en enfer. Répondance. Ne prends pas supporter l'enfer. Il ne faut pas t'en foutre de Jésus. Jésus-Christ est la solution de ton âme. Il faut dire à ton mari, faut payer ma dot. Parce qu'après la mort, je peux aller au paradis. Après la mort, je vais aller au paradis. Marie, il faut payer ma dot. Si tu ne payes pas ta dot, au ciel, tu ne peux pas entrer au paradis. Le royaume des cieux est réel. Jésus, marche selon la parole de Dieu pour entrer au paradis. Le paradis est réel. L'enfer est réellement réel. Répondez-vous. Si tu es vivant, il faut accepter. Alléluia. Alléluia. Nous visons nos vignes notre Jésus Christ. Nous visons nos vignes notre Jésus Christ. Oui, on clôt notre toile et on voit jaillir. Mais à quand on fait nos jazos et Jésus Christ y en a ouvert l'œil. À zone de Jésus Christ y voit. Mon Dieu de Dieu te satisfait. N'en ira donc ni quoi y est autant. Na tiwa chido chizi ayodige aga nukute ajo mwemi tido nele na yeni do tjo yinatonami mwa jesu yigbe okusa tijito ema wanude ema jakoto mede ema jeseme na mede nyinato nyekwe yepoto ele zwopma mwa jetane wehe mea kafri nucha kwenye deheji afri nucha ukwene loji anone nukwendo ukwende jesu kisi wakuna welogo Kabia no mono ni mi to pe mi to zan e ko pe no visu no vinyonu wenu dia te di wleto a sako fo ni amanue boto si se nu de to ti jole ba ika to ma wuri awu na do fri nu do a kolu du nu to si o pe ze ole o ku no na jo weto no visu no vinyonu jesu ma basi nya wule do we na ni to ti aya mo nya wule de jesu wa basi to fi do ku do satiji ba ye ni to mo pe Yani do pio pe mando pato me uwa utu wa edo kuo kusa tijito novisu novinyonu seta zato jona jesu kriti na wenule kofo
Lève-toi, lève-toi, Jésus. Jésus, tu es là. Nos vies sont nos vies. A rojo Jésus de bleu. A pe Jésus de bleu. Ton lieu quoi outou. Kabi moto outou. Kabi quoi outou. Kabi noua dido tu aïe ba di file outou. Noua elè kona jowedo. A mo Jésus manto na jowedo. E ma la de jowedo venena si te pe yi Jésus de bezantou. Jésus to yi yowé. Lève-toi, we nou kofon. Lève-toi wa Jésus de. Jésus to yirowe novisu novinu no pianzande we nu Jésus na wa ona play tonole yo babo yo ona yi ka La seule volonté, ce n'est pas une tête chrétienne. Si tu es chrétien, tu ne jamais traiter cette tête de la débauche. Hein? Hey. Rassemblement. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Rassemblement. S'il vous plaît, le temps est parti. Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie richement. Alléluia, j'espère que chacun de nous a été un instrument dans les mains du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous n'allons plus tarder, nous allons prier, alléluia, et nous recommander entre les mains du Seigneur. Amen. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Oh, nous te disons merci Jésus, alléluia. Oh, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Papa, oh, nous te disons merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Élie, oh, nous te disons gloire à l'agneau. Alors que nous sommes en train de chanter, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à lui dire comment il est grand, comment il est merveilleux, comment il a été avec nous. Oh, nous te disons gloire à l'agneau. Oh, nous te disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, nous te disons alléluia. Éternel grand Dieu, grand roi, nous te disons infiniment merci, papa. Tu es merveilleux, tu es glorieux. D'éternité en éternité, tu es Dieu.
Tu as été avec chacun de nous, éternel mon Dieu. Tu as fait de nous, Seigneur, des instruments, éternel mon Dieu, dans tes mains. Que l'honneur, la gloire te revienne. Tu dis, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, annoncez la bonne nouvelle. Éternel mon Dieu, le vouloir et le faire ne viennent que de toi. Seigneur Jésus, nous avons été des instruments, Seigneur, que tu as utilisé pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous élevons nos voix, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons. Éternel mon Dieu, toi l'identité de l'amour, toi l'inaliénable amour qui porte en ton sein les marques de ta divinité, l'emblème de ta fidélité. Nous te louons, Seigneur. Tu es le Dieu de justice qui répand sur cette race la semence de l'équité et de la droiture. Tu es la lumière qui anime l'univers, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute l'honneur. Parce que tu en es digne, éternel mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu puissant. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, roi des rois. Que l'honneur et la gloire te reviennent, papa. Merci, papa. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons recommander les âmes qui ont été touchées entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, c'est lui-même qui a préparé ses âmes à nous rencontrer. C'est lui-même qui nous a envoyé croiser ses enfants. Nous allons lui recommander ses âmes. Ceux qui ont reçu les traités, ceux qui ont reçu le message d'une manière ou d'une autre. Lui-même saura comment veiller sur eux. Lui-même saura dans quel problème ils sont. Lui-même saura comment les protéger, comment les délivrer, comment les sortir de la captivité et les amener dans la véritable lumière. Prions et recommandons-les entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, de tendresse et de paix, tu nous as envoyé, Seigneur Jésus, comme tes instruments, Seigneur Jésus, pour glorifier ton Saint-Nom, pour te faire connaître à tes enfants qui sont encore dans l'ignorance. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour tout cela que tu as fait. Nous prions, éternel mon Dieu, nous te recommandons, Seigneur Jésus, ces âmes. Éternel mon Dieu, la parole a été telle une semence que nous avons semée. Nous te recommandons les cœurs et nous te prions de fertiliser les cœurs. Ancien des jours, nous te prions de toucher les cœurs, car chacun de les cœurs, Seigneur Jésus, se trouve dans tes mains, Seigneur Jésus. Nous te prions, éternel mon Dieu, que les cœurs de pierre, Seigneur, soient brisés par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Dieu vivant, ta parole qui est lumière, nous prions que cette lumière visite de pénètre les cœurs afin que les ténèbres soient dispersées des cœurs. Ancien des jours, toile brillante du matin, nous te prions, nous te les confions davantage. Seigneur Jésus, nous te prions d'arroser ces paroles dans les cœurs afin que ces paroles puissent germer, Seigneur, et donner des fruits, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, puissent amener tes enfants à la repentance. D'autres, Seigneur, qui ne t'ont pas confessé, Seigneur Jésus, arrivés à la maison lorsqu'ils vont s'agenouiller, Seigneur, lorsqu'ils vont t'invoquer, lorsqu'ils vont te prier, nous te prions, Seigneur Jésus, selon l'immensité de ta grâce, Seigneur Jésus, exauce-les pour la gloire de ton nom. Dieu puissant, nous te les recommandons, Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre, Seigneur Jésus, ton bon trésor sur chacun de tes enfants. Écoute-les, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier contre tous les oiseaux voleurs, alléluia, qui viendront picorer la semence, c'est-à-dire les soucis et autres du monde qui viendront les faire oublier ce qu'ils ont reçu. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur Jésus de veiller à ce que la semence puisse germer, qu'aucun esprit ne puisse pas venir voler la semence au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Prie au nom de Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu de fidélité, Dieu de compassion. Seigneur Jésus, nous étions autrefois de leur nombre, Seigneur. Mais tu as su s'abroyer au nom de Jésus. Tu as su comment, Seigneur Jésus, nous délivrer. Tu as su comment nous sortir des ténèbres à ton admirable lumière. Tu as su comment, Seigneur, nous travailler. Tu as su comment conserver la parole dans nos cœurs pour nous délivrer. Seigneur, fais de même pour eux, Seigneur. Couvre-les par ton sang, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, de tendresse et de paix. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Excellent Père de grâce, nous voici à la fin. Puisque tu es l'alpha et l'oméga, tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Éternel mon Dieu, nous te recommandons toutes choses. Ancien des jours, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Couvre chacun de nous par ton sang. Les motos, Seigneur Jésus, couvre-les par ton sang. Les chemins, Seigneur Jésus, nous voulons que tu les balises, Seigneur Jésus, par ton sang, pour la gloire de ton Saint-Nom. Trace les chemins par ton sang, Seigneur Jésus, afin que tout ce que l'ennemi voudra préparer sur le chemin de retour contre chacun de nous soit neutralisé au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, envoie ton armée camper autour de
genoux pour combattre pour nous protéger, pour nous garder et pour nous conduire vers les lieux que tu as préparés pour nous. Dieu vivant, nous nous recommandons entre tes mains. Glorifie-toi dans la vie de chacun de nous. Serve-nous, Seigneur Jésus, de tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur Amen. Jésus. Seigneur Jésus, dévance-nous dans nos maisons respectives. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus. Si n'est pas content, acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus, tu vas dire shalom à ton frère, shalom à ta soeur et tu vas le fortifier. Fortifie ta soeur, fortifie ton frère. Amen, gloire à Jésus, alléluia, shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce moment que nous avons passé avec vous en direct, alléluia. Ce moment glorieux que le Seigneur nous a inspiré. Ce jour 14 février où le monde fête la fête de l'amour, alléluia. Mais malheureusement pour eux, malheureusement pour eux, c'est une fois par an, eux, ils fêtent les fêtes d'amour. Mais gloire à Jésus, et que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons cette opportunité, cette grâce de fêter tous les jours de l'année comme notre fête de l'amour. Alléluia, parce que Jésus-Christ est en nous, et Jésus-Christ étant amour, il est avec nous en tout temps. Donc tous les jours que nous nous réveillons, nous fêtons l'amour. Alléluia, donc nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Fidjrosser pour pouvoir alerter le monde. Parce que Fidjrosser, c'était connu comme un lieu d'impudicité, parce que de la plage. La plage est remplie pour ces événements de l'impudicité et tout là. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici à Fidjrosser et nous avons alerté le monde que cette fête qui est fête ne vient pas de Dieu, cette fête soi-disant fête d'amour ne vient pas de Dieu, mais ça vient des démons de l'impudicité. Donc nous avons appelé le monde entier à la repentance. Nous bénissons le Seigneur Jésus parce que beaucoup ont écouté la parole et beaucoup ont accepté que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Seigneur Jésus.